Nous allons faire un round-up des informations, faire le tour, n'est-ce pas, de l'actualité dans un certain nombre de pays qui ont retenu l'intérêt pour le compte de cette semaine. Et pour parler de tout ceci, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Kemi Seba. Kemi, bonjour. Bonjour, mon cher. Vous êtes le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Et vous répondez à ce titre dans ce studio. Vous êtes également écrivain. Et aujourd'hui, au Bénin, on ne vous présente plus. En Afrique, tout le monde vous connaît. De l'autre côté de l'Hexagone, vous êtes également connu. Kemi, vous faites un combat. Et je suis tenté à l'entame de cette émission de vous demander où en est-on avec ce combat. Alors, on avance grandement sur les problématiques liées à la logique de la souveraineté. Parce que notre combat est une lutte pour la souveraineté intégrale du continent africain, mais plus particulièrement de l'Afrique, de la zone franc, parce que c'est la partie du continent qui est la plus ostracisée. Et de la diaspora aussi, c'est-à-dire qu'on mène un combat pour l'Afrique de la zone franc, mais aussi pour les Caraïbes qui sont toujours dans un état de colonisation. On va même parler dans le cadre de la néocolonisation, ce qui les concerne. Et donc, il y a tout un travail de prise en charge, d'autoresponsabilisation et d'autodétermination qui est mise en place. Et c'est un travail de longue haleine, un travail quotidien qui s'est fait avec les différents responsables d'antenne de notre organisation qui sont présents donc un peu partout dans tous ces pays, dans cette diaspora ou sur le continent. Et c'est une logique bicéphale. Il y a à la fois un aspect social, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail d'aide civique à une population prolétarisée, précarisée, parce que l'obsession de notre ONG, c'est de lutter pour la justice sociale. Certains ont voulu transformer ça en un combat soit anti-occidental ou je ne sais trop quelle autre ineptie, alors que la réalité est que on s'oppose au néocolonialisme français, d'accord, donc à l'oligarchie capitaliste d'Occident, mais en Afrique, on s'oppose à ceux qui sont les apôtres de la gabégie financière, du népotisme et de la corruption. Il se trouve qu'en Afrique, ce sont des Noirs et en Occident, ce sont des Blancs. Donc ce n'est pas une question d'une lutte contre une couleur de peau, mais une lutte bel et bien contre un système qui est le système capitaliste qui dérégule nos sociétés, qui les paupérise, qui asphyxie, qui suce le sang des pauvres, qui sont la majorité de nos populations alors que nous sommes sur des territoires extrêmement riches. C'est dans cette démarche-là qu'on se situe. Juste en guise d'information que je vous donne, parce que je pense que c'est important, dans cette démarche d'action civique que nous menons et que nous sommes en train de structurer pour la population, ici et à d'autres endroits sur le continent, mais en priorité ici, il y a à la fois donc le nettoyage de la ville de Cotonou. Nous sommes en train de négocier ce qu'il faut avec les ayants droit pour pouvoir mettre à bien cette démarche, parce que nous partons du principe que plutôt que toujours attendre que tout vienne du gouvernement ou de l'État, il faut que la jeunesse se prennent en charge et soient dans une dynamique patriotique. Moi, c'est la logique dans laquelle nous sommes. Ce que les élites africaines ne font pas ou ne peuvent pas faire pour le peuple doit le faire lui-même. Cesser d'attendre que tout vienne d'en haut, mais que nous fassions aussi nous-mêmes notre propre démarche. Ça, c'est le combat dans lequel nous nous installons parce que nous devons tout à l'Afrique. C'est la vision, la réflexion dans laquelle nous nous insérons. Parallèlement à cela, il y a un programme donc, de financement de fonds de commerce pour les familles les plus précarisées. Donc du côté de Cotonou, d'accord, et progressivement on va se déplacer dans toutes les régions, puis après, parce qu'on fait ça de manière scientifique, on est dans une dynamique de laboratoire, on teste, et en fonction de la manière dont on pourra réguler cette situation-là, nous verrons s'il est possible d'élargir cette sphère. On est dans la dynamique un petit peu de ce qu'on appelle les microcrédits, adaptés au contexte local, avec les besoins locaux. Et donc, souple, hein. Voilà. Et donc l'ONG Urgence panafricaniste vraiment a cet aspect social. Et de l'autre côté, on a toujours nos questions de lutte pour la souveraineté intégrale du continent. Donc là, on est sur un aspect beaucoup plus politique où tout ce qui a trait aux prédations exogènes, le franc CFA, là, on nous parle maintenant de la monnaie de la CDAO. À l'heure actuelle, je vous dis les choses telles qu'elles sont. On ne croit que ce que l'on voit, donc pour l'instant on ne voit rien, donc on ne croit pas. Mais nous attendons, et dans le même temps de continuer à sensibiliser sur le terrain. De l'autre côté, la valorisation de la production africaine, on a lancé la première journée de valorisation de la production africaine à Cotonou l'année dernière. La première journée internationale, ça a été simultané dans différentes villes, et c'est des choses que l'on va continuer à faire. Il y a le travail donc, de la souveraineté militaire, ce sont aussi des questions dont on doit parler. Donc le combat est vaste. Il y a la lutte contre Areva, toutes les multinationales qui pillent les richesses de nos sols. Et donc l'ONG Urgence panafricaniste est sur tous les fronts, tous les combats, parce que nous disons toujours que ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple devra le faire lui-même. Ce que les élites ne font pas pour le peuple devra le faire lui-même. Ça, c'est une prise de conscience qui nécessite, n'est-ce pas, une adhésion massive et collective. Vous étiez tout dernièrement en Guinée. Il y a eu quelques pépins. Oui, j'en ai parlé récemment. Il y a eu quelques pépins. Bon, je ne vais même pas m'apesantir sur cette réalité-là. Le président Alpha Condé, qui lorsqu'il était opposant, était quelqu'un qui
montrer qu'il voulait un autre système. Le peuple avait voix au chapitre. Aujourd'hui, est président, se remplit les poches, est milliardaire. Puisqu'aujourd'hui, pour être milliardaire en Afrique, ça ne sert à rien d'être homme d'affaires, autant faire de la politique. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Non pas servir le peuple, mais se servir du peuple pour arriver à ses fins. C'est l'adage de beaucoup, notamment d'Alpha Condé. Il y a le népotisme, il y a la corruption, il y a la gabégie. Et j'étais invité pour faire, comme je l'ai dit auparavant, donc une conférence, une série de conférences sur la lutte pour la justice sociale. Et Alpha Condé m'a interdit de rentrer. Suppose qu'il a dû consulter son collègue et camarade Macky Sall. Ils ont tous les deux des points communs. Même si Alpha Condé joue le panafricanisme en surface, mais dès qu'on parle de justice sociale, qui est aussi un combat, il n'est pas dedans. Mais il ne peut pas avoir de panafricanisme sans justice sociale. Le panafricanisme, si c'est juste pour dire « oui, nous devons être libres vis-à-vis de l'Occident, mais on continue à opprimer notre peuple », ce n'est pas du panafricanisme, c'est de la forfaiture. Donc voilà, c'est mais qu'est-ce que ça fait lorsqu'on voit un président comme Alpha Condé qui longtemps était resté dans l'opposition, aujourd'hui il se retrouve au pouvoir et que dans son pays, les élections législatives et locales se tiennent plusieurs années après, avec beaucoup de retard, et qu'on en soit dans une situation où il y a eu des soulèvements jusqu'à ce qu'on dénombre deux morts. Moi, la constatation que je peux vous donner simplement, c'est que être opposant, il y a des gens qui sont opposants par opportunisme. Qui ne sont pas à risquer leur vie pour ça, mais qui ont pour objectif d'arriver à la magistrature suprême. Et quand ils y arrivent, ils se servent comme tous les autres et changent beaucoup de choses. Et je reviens toujours à cette notion d'équilibre, cette notion d'équilibre des classes, de rapport de classe, de comprendre la logique de l'hyperclasse et la logique du prolétariat. Si on ne met pas ça en perspective d'un point de vue politique ad vitam, on ne pourra pas avancer. Et le problème d'Alpha Condé, c'est qu'il s'est battu pour la démocratie, mais il est devenu aujourd'hui le symbole de la dictature. C'est quelque chose qu'on doit être capable de dire. Et il y a une volonté de favoriser malheureusement ses proches, son entourage, les gens de sa région peut-être, etc. etc. Le népotisme. Et voilà, c'est la définition même, ça je voulais en venir, du népotisme. Et de l'autre côté, il y a une violente répression vis-à-vis de toutes les voix dissonantes. Lui-même qui s'est opposé à un régime qui commençait à devenir très rigide. Et encore, il faut expliquer les raisons pour lesquelles le régime contre lequel il s'opposait devenait très rigide à l'époque. Ce n'était pas du tout les mêmes raisons pour lesquelles Alpha Condé est là aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, il est le symbole de l'uniformisation de la pensée, de la dictature de la pensée. Et il ne faut pas qu'on se mente, c'est problématique. Et je ne suis pas surpris qu'ils m'interdisent de rentrer. Je pense qu'à l'heure actuelle, beaucoup de présidents africains ont peur du propos que j'énonce, du travail que notre ONG fournit sur le terrain, et ont peur de notre capacité à mobiliser les foules. Je pense que c'est la véritable préoccupation qui existe chez Alpha Condé et chez beaucoup d'autres présidents africains. Alors, à cette allure, puisque là, on pense que les élections permettent d'asseoir la machine électorale, la machine qui permet de stabiliser la démocratie. Aujourd'hui, on a organisé les élections. Il y a suffisamment d'injustices qui sont notées au cours de ces élections-là. Et ce qui ne permet pas à la Guinée de retrouver toute sa quiétude, qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème, c'est que, à mon sens, tout est orchestré. Vous savez, il y a ce qu'on appelle parfois la paralysie structurelle qui est effectuée pour que l'on puisse prolonger le pouvoir de quelqu'un qui est... qui connaît beaucoup d'opposition, d'accord, qui est désavoué par beaucoup de gens. Et Alpha Condé est dans cette situation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il sait qu'en étant dans cette dynamique de paralysie étatique et structurelle, il gagne du temps par rapport aux prochaines élections. Parce que si vous paralysez déjà cette élection-là, comment voulez-vous que la prochaine élection puisse avoir lieu dans le bon terme? Et au-delà de ça, Alpha Condé lui-même est dans une dynamique aussi de vouloir peut-être... modifier un certain nombre de choses dans la Constitution. Alpha Condé veut se présenter pour un troisième mandat. Ce n'est pas à la base ce qui a été prévu. Et beaucoup de gens le savent. Beaucoup de gens le savent. Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent. Il y a notamment mon cher petit frère Elie Kamano, que j'affectionne beaucoup, qui mène un combat avec d'autres en Guinée. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut donner la voix au peuple. Et c'est quelque chose qui est une dynamique internationale. C'est-à-dire que ce qui se passe dans tous ces pays d'Afrique francophone où je voyage, ou quand je suis autorisé à rentrer, c'est, quoi qu'on en dise, l'aube d'une insurrection des consciences, d'un réveil civique qui est en train de s'effectuer, où la question de la souveraineté populaire commence véritablement à prendre tout son sens. Aujourd'hui, le peuple se dit, mais attendez, vous avez dit pendant longtemps que c'était les dirigeants qui faisaient la loi, mais on se rend compte que les dirigeants, c'est le sommet, que le peuple, c'est la base, et que si la base part, le sommet devient un vulgaire caillou.
C'est ce qui est en train de se dérouler. Et je pense que la voie de l'autodétermination, la voie de l'organisation de la société civile comme centre de gravité du véritable pouvoir exécutif, c'est quelque chose qui va de plus en plus se mettre en place dans tous les pays d'Afrique francophone parce qu'il y a un effondrement du système politique d'antan. Je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle en ce qui concerne la manière de voir la participation à la vie de la cité d'hier et qu'aujourd'hui, il y a un changement qui se déroule. Le pouvoir ne sera plus en haut, mais le pouvoir sera en bas. Ce n'est pas de l'utopisme, c'est une constatation rigoureuse et une analyse rigoureuse des événements. Lorsqu'on revient un peu plus à côté, hein, au Cameroun, on a vu Paul Biya au pouvoir il y a plus de 30 ans maintenant, le doyen des chefs d'État, qui tient son premier conseil des ministres 3 ans après le renouvellement de son mandat. Là, on est dans la... Alors, c'est peut-être pas le même format. C'est-à-dire que Paul Biya, lui, c'est vraiment... je veux dire, peut-être qu'Alpha Condé, en termes de corruption, c'est... Allez, on va dire que si la corruption était un sport ou était du football, Alpha Condé serait peut-être, à l'heure actuelle, une belle équipe, comme la Juventus de Turin. Mais Paul Biya, c'est le must du must. C'est le Bayern, c'est le Real Madrid. Paul Biya est au-dessus du lot. Il vient quand il veut, il habite en Suisse, il se souvient de temps en temps qu'il a un pays. Il décide d'y descendre dans son jet privé et il anime avec un sonotone son conseil des ministres. Ça montre le mépris viscéral que Paul Biya a vis-à-vis du peuple. C'est quelque chose qu'on doit être capable de dire sans avoir peur d'énoncer ses vérités. Et c'est un génie politique, non pas pour développer son pays, et pour asphyxier son pays et l'astreindre à la résidence de la pensée et du droit de vivre, d'accord ? Mais, dans le même temps, se pose aussi une question de fond qui est que, en dehors de Paul Biya qui ne peut pas lui seul justifier la démarche, on a une division extrême, il y a pléthore de partis politiques au Cameroun, et le jour où l'opposition sera dans une voie réelle d'autodétermination, dans une voie réelle d'unité. N'oublions pas que le Cameroun, c'est le pays d'un des mouvements qui a le plus inspiré le continent africain, qui est l'UPC, l'Union des populations camerounaises, qui est un mouvement anticolonialiste qui a marqué l'histoire de notre peuple et qui, même pour moi, à titre personnel et pour notre ONG, fait partie des nombreuses sources d'inspiration. Mais qu'aujourd'hui, il y a une sorte de phagocytage de cette opposition-là, c'est ça qui profite aux malfrats qui sont à la tête de cet État. Donc, Conseil des ministres depuis 3 ans, il y a une mafia autour de lui, une oligarchie, c'est la définition même de l'oligarchie, du népotisme en tant que tel. Et si le Cameroun vit, un pays puissant comme celui-ci vit dans cette situation en étant encerclé en plus par les miliciens financés par les Occidentaux et les pétromonarchies que sont Boko Haram, en plus de ça qui menace donc l'intégrité territoriale du pays, on a la problématique dans la zone anglophone aussi, et tout est relié au-delà de quelques manipulations exogènes, tout est relié aussi à un manque de justice sociale. Il y a des gens qui se sentent ostracisés, qui se sentent mis de côté, et c'est ça qui favorise aussi parfois un certain délitement à l'intérieur de l'État. Et c'est là où je dis que l'opposition à Paul Biya doit prendre ses responsabilités. Le problème de l'Africain, de manière générale, hein, c'est que, c'est valable aussi pour le Bénin, c'est que chacun se lève, tout le monde veut être président. On ne peut pas être tous présidents. Le président n'est pas une fin en soi. Il faut s'allier. Il faut être capable de s'allier. Il faut être capable de se parler. Il faut être capable d'avoir un projet commun. Il faut être capable de mettre sa fierté de côté. Il faut faire des concessions. De faire des concessions et de parler d'une seule voix. Et de se ranger derrière celui ou celle, parce qu'on dit toujours celui, mais celle aussi, pourquoi pas, qui a le plus de capacité à toucher les gens, à réunir les masses. Parce que c'est les masses dont on parle. Et tant qu'on ne sera pas dans cette démarche-là, on aura toujours Popol, comme il est surnommé par le peuple, qui viendra jusqu'à sa mort. Hein, un jour, il se réveille, ah, je crois que je suis président d'un pays, puis je prends le jet, et puis je descends. Bon, est-ce que c'est une solution que de continuer à laisser cet homme prospérer? Moi, j'ai vécu au Cameroun, j'ai travaillé au Cameroun. Excusez-moi, j'ai travaillé au Cameroun en tant que dirigeant d'une chaîne là-bas, entre le Cameroun et le Tchad. J'ai vu l'état de détresse morale du peuple. Détresse morale. Et ceux qui savent, le problème, c'est que parfois sont soit en prison ou alors en collusion avec le pouvoir. Donc il y a un juste milieu qu'il faudra avoir. Mais une chose est certaine, je le dis et je le répète, on parle du combat pour la souveraineté africaine, mais le combat pour la souveraineté africaine se fera
ne se fera pas avec des autocrates qui restent et qui demeurent ad vitam à la tête de nos États. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un travail contre les ennemis exogènes et contre les adversaires endogènes. Et ces adversaires endogènes, ce sont ceux qui confisquent le pouvoir, qui censurent le peuple, qui emprisonnent le peuple, qui répriment le peuple dès lors que ce peuple veut prendre ses responsabilités. Est-ce qu'ils ne sont pas parfois plus dangereux que ces ennemis exogènes? Je n'irai pas jusque à cet extrême, mais je dirais qu'il y a une équivalence. Alors quel travail doit-on faire, hein? Il y a vraiment une équivalence, je tiens à préciser cela, parce que j'aime cette phrase et j'aime à la rappeler, qui dit que une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc il y a forcément un jeu d'influence qui se fait, quelqu'un qui essaie de rentrer par effraction, mais on ne rentre que quand on sent qu'il y a une faille. Ouais, il y a des gens qui construisent au quotidien cette faille. Moi je pense qu'il y a eu une erreur pendant des années qui était de prioriser l'un au détriment de l'autre. Il y a certains qui vont vous dire en Afrique, certaines ONG qui vont vous dire en Afrique, le problème ce sont nos dictateurs. Et c'est ce qui fait qu'ils acceptent le financement de l'Occident. Pour moi, c'est une mauvaise stratégie aussi d'agir de cette façon-là. Et de l'autre côté, parce que bien souvent, l'Occident, lorsqu'il se finance, il a son agenda aussi. Et de l'autre côté, il y en a qui ont dit que le problème, c'est l'Occident. Et donc, on ferme les yeux avec nos dictateurs, puis on leur donne la main, et puis on accepte tout leur meurtre, toute leur répression, tout leur détournement de fonds, parce que le seul problème, c'est l'Occident. Moi, je ne suis ni dans une voie, ni dans une autre. Et notre ONG n'est pas dans cette démarche-là. Nous sommes les porte-voix d'une génération qui pense qu'il faut mener de front un combat contre ces deux sphères. Quand vous nous demandez quelles sont les solutions, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. C'est-à-dire être à la fois dans une dynamique de sensibilisation, parce que tant que vous n'éduquez pas le peuple à comprendre les mécanismes divers de prédation, de quelle manière l'extérieur essaye de nous javeliser le cerveau, eh bien on ne pourra pas être dans une dynamique de pouvoir résister véritablement contre les maux extérieurs. Et de l'autre côté, la seule façon de lutter contre les autocrates qui confisquent le pouvoir au peuple, qui asphyxient le peuple, eh bien, c'est de mener cette révolution civique de la justice sociale. Et ça passe par une propension à propager le patriotisme viscéral dans le cœur des gens. Les gens finissent par être dégoûtés de la patrie. Certains sont prêts à risquer leur vie pour traverser la Méditerranée et aller en Occident, tellement ils pensent qu'ils vivent un enfer ici. Donc on a un devoir, on a une responsabilité. Soit on s'attaque, on se lève, on dit un jour, on s'attaque à tous les présidents, ou alors on mène ce travail de justice sociale. C'est ce que nous faisons nous, au quotidien. Et avec un certain nombre de résultats probants, ce qui inquiète, je pense d'ailleurs régulièrement les dirigeants, que ce soit autocrates d'Afrique ou alors les prétendus démocrates ou démocrates d'Occident. Wale Soyinka a dit « Things fall apart, the center cannot hold. Mm-hmm. » Le monde s'effondre, mais ça commence par l'intérieur. À partir du moment où le monde s'effondre, l'intérieur ne peut tout pas tenir. Vous le rejoignez si bien, bon panafricaniste, Kémi Séba. Mm-hmm. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Union panafricaniste. Urgence panafricaniste, c'est bien ça. Mm-hmm. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse un parallèle avec le Togo. Mm-hmm. Le dialogue a été lancé entre-temps, mais vissé par un certain nombre de désidérata de chaque camp. Chacun met la barre assez haute. Finalement, le processus est vicié. Écoutez, moi, je pense qu'il arrive aussi un moment où il ne peut pas avoir de dialogue avec certains dirigeants. Quand vous avez outrepassé toutes les lois de la rationalité, toutes les lois de la tolérance, vous les dépassez et vous finissez par marcher sur ces dernières, il arrive un moment où le dialogue n'est plus possible. Il n'y a qu'une seule solution, c'est le départ. Et ce départ s'organise comme le peuple, le vaillant peuple togolais. Bon, après, j'ai des nuances, j'ai vu. Il y a de toutes sortes de courants dedans. Il y a des représentants, des responsables politiques rigoureux et sérieux. Il y a des gens, après, j'ai vu quelques blogueurs ou blogueuses, je ne me souviens plus le nom, un peu allumés. Moi, je n'ai pas de regard sur les détails de tout ça, mais je sais que de manière générale, la résistance togolaise et le parti qui résiste prioritairement est un symbole de résistance pour ce pays et peut changer les choses. Mais le dialogue n'aboutira à rien. Moi, je le pense profondément. Le dialogue n'aboutira à rien parce que celui qui est à la tête de ce pays n'a pas l'intention d'en partir. Il va toujours être dans cette dynamique de négocier pour prolonger le pouvoir. Et qu'est-ce qu'on entend par dialogue quand un autocrate dit qu'il veut dialoguer avec l'opposition, sachant que l'autocrate ne veut jamais quitter le pouvoir? Eh bien, il est en train de voir de quelle manière il pourra dribbler les gens, de quelle manière il pourra corrompre certains, parce que c'est comme ça, c'est la transhumance. On vous prend 1, 2, 3, 4, 5, on vous achète, et puis on achète votre silence. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y aura pas de
fort, Nyasimbe ne veut pas quitter le pouvoir. C'est alors, tout. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire, hein? Quelle est la concession qu'on puisse faire de chaque camp, de chaque côté, pour qu'on puisse arriver à conditionner le départ de Faure Gnassingbé par un certain nombre d'acquis, un certain nombre de garanties? Vous savez, la première garantie qui doit être effectuée, c'est qu'il doit avoir un accord selon lequel est signé, vu de tous, selon lequel Faure Gnassingbé ne restera pas au pouvoir. Faure Gnassingbé s'inquiète d'une chose. Vous savez, quand un dirigeant est à la tête d'un État, sa seule crainte, c'est que s'il quitte le pouvoir, quand il sait tous les meurtres qu'il a commis et tous les détournements qu'il a fait, c'est qu'il soit jugé par son peuple ou par la justice de son peuple. Il a peur de la prison. Trois quarts du temps, il y a un engrenage qui fait que celui qui est au pouvoir, c'est que le jour où il quitte, il faut qu'il déménage sur Mars. Et s'il ne déménage pas sur Mars, il va finir au placard. C'est une réalité, c'est comme ça. Et donc, Faure Gnassingbé, je pense que lui, de son côté, acceptera de quitter le pouvoir, entre guillemets, que si il a la certitude qu'il n'aura pas de poursuite et qu'il n'aura pas à rendre ce qu'il a volé, ce qui est impossible aujourd'hui. Moi, c'est-à-dire que je réitère, je ne vois qu'une insurrection politique et civique au Togo. Ça ne veut pas dire que j'appelle au désordre, parce que je vois déjà les gens arriver de loin. Ça ne veut pas dire que j'appelle à la déstabilisation. Ça ne veut pas dire que j'appelle à la violence. Insurrection civique, c'est insurrection des consciences. Mais ce qui se passe là ne peut que aller crescendo. C'est la seule solution. Et ce que je dis là pour le Togo est valable pour le Gabon, est valable pour bon nombre de pays, parce que certains présidents ne quitteront jamais de leur propre chef le pouvoir. Il faut qu'on arrête d'être naïf. Et je veux dire que les Arabes ne sont pas meilleurs que nous. Alors, d'ailleurs, le printemps arabe, on peut en discuter parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations exogènes. Mais malgré ça, l'état d'esprit du printemps arabe était le suivant. C'était une colère réelle et sincère à la base qui venait du peuple, qui par la suite a été manipulée par d'autres. Ça, c'est une autre question. Mais la manière dont les Arabes se sont levés pour exprimer leur dégoût et leur nausée vis-à-vis d'un système prédateur, bon, c'est une chose. Ensuite, au-delà de ça, il y a une réalité de fond dans laquelle nous nous installons et dans laquelle nous comprenons les choses, qui est que si nous ne nous mobilisons pas de manière simultanée, parce que c'est aussi quelque chose qui joue, tous les problèmes que rencontrent ces pays que vous venez de citer sont des problèmes qui sont partagés par la quasi-majorité, pour ne pas dire la quasi-intégralité, des pays d'Afrique de la zone franc et des pays d'Afrique francophone. Tant qu'il y aura une partie qui se mobilise contre son dictateur et que les autres ne font pas, ou deux ou trois ou quatre ou cinq, ça ne changera pas. Vous faites un parallèle entre la francophonie, le franc CFA et puis les luttes qui sont en cours actuellement dans les pays, dans les États. Pour moi, tout est lié. C'est un système qui est en train de s'effondrer. C'est un système qui est à l'aube de son déclin. C'est le champ du cygne, comme on dit. Et dans ce sens-là, si on n'est pas capable, en voyant tous les éléments qui sont en train de nous étouffer, tous ces étaux qui sont en train de se resserrer, si on ne voit pas la nécessité pour nous de réagir de concert, de la même façon qu'on l'a fait pour le front ICFA. Quand dans tous les pays d'Afrique francophone, à la même heure, à la même seconde, dans toutes les capitales, tout le monde se mobilise pour dire nous ne voulons plus du front CFA, eh bien, quoi qu'on en dise, on voit les résultats. Ça ne veut pas dire que le combat est fini, mais on a grandement avancé dessus. On a forcé les autorités africaines et françaises à se prononcer dessus. Elles parlent, sans vouloir reconnaître leur défaite, elles parlent maintenant de la monnaie d'ACDAO. Ils en parlaient depuis les années 1980. Personne ne faisait rien. Il a fallu qu'on menace tout le monde, entre guillemets, pour que cette question arrive au centre de la table. Donc, tant qu'on n'est pas dans cet état d'esprit d'appliquer cela à la question aussi maintenant de la bonne gouvernance de nos États, eh bien, je pense qu'on n'arrivera pas. Le Togo seul ne peut rien faire. Le Niger seul ne peut rien faire. Le Burkina seul ne peut rien faire. Le Cameroun seul ne peut rien faire. Mais tous les pays réunis peuvent tout faire. Et quand ces pays se réunissent, ça ne doit pas être simplement pour « nous en avons marre de la dictature ». C'est un système que nous voulons détruire. Parce que si nous changeons un dictateur, si nous ne changeons pas le système, eh bien, ce sera un autre autocrate qui va le remplacer, qui sera toujours à la botte de la nation française de manière générale. Vous parlez d'autocrate, on a vu Robert Mugabe qui a refait son apparition il y a de cela 3 jours et qui a inquiété plus d'un à Harare. Ça parle beaucoup, Robert Mugabe qui sort la tête et qui pense que lui a été victime d'un coup d'État. Bah, écoutez, s'il n'y a pas eu d'élection, de toute façon, c'est une sorte de coup d'État institutionnel. On va dire ça comme ça, c'est une réalité. Maintenant, moi j'aime profondément l'ancien et je l'aimerai toute ma vie. Il a un côté,
C'est l'image de nos anciens, de certains de nos anciens, avec parfois les excès, tout ce que vous voulez. Je l'aime profondément. Mais il y a aussi une réalité. Il y a un moment où il faut accepter aussi, non seulement de laisser un roulement du pouvoir, c'est important. Je le pense profondément. Et de deux, il faut qu'on soit toujours dans cette démarche d'éviter de pousser la majorité de la population à la frustration quand on sait que nos peuples vivent en dessous du seuil de pauvreté et que nos chefs d'État sont milliardaires ou millionnaires. C'est pas normal. Et Robert Mugabe, tout anticolonialiste qu'il est, tout résistant, grand résistant qu'il fut, et qu'il est toujours d'une certaine façon par rapport à l'impérialisme occident, clairement. Mais Robert Mugabe, sur le terrain justement de l'égalité entre les différentes catégories de la population, sur le terrain de la lutte contre la pauvreté, Mugabe n'a pas fait le travail adéquat. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait le courage de le dire. On peut aimer quelqu'un et dire des choses avec sincérité. Et je pense qu'il n'a pas fait le travail qui était adéquat sur ce terrain-là. Ça, c'est une vision d'un acteur très actif de la société civile qui le dit. S'il n'y a pas de justice sociale, vous ne pouvez pas parler de lutte contre l'impérialisme alors que vous pratiquez l'impérialisme vous-même contre votre propre peuple. Donc, coup d'État, c'est un coup d'État. Mais c'est un coup d'État, quoi qu'on en dise. Institutionnel, c'est un coup d'État. Mais de l'autre côté, Mugabe n'a pas rempli sa part de travail qui aurait pu faciliter le fait qu'aux prochaines élections, il quitte. Mais si on a fait ça maintenant, il y a un autre facteur dont on ne parle pas, c'est que sa femme était problématique. Bien sûr. Il faut aussi qu'on... C'est-à-dire que nos pays sont des pays, à la base, qui s'appuient sur le matriarcat. On est la civilisation par essence, on ne dit pas la terre-mère pour rien. La femme est le pilier structurel de nos sociétés, le poumon. Et nous-mêmes, dans le Dahomey, dans le Bénin, nous savons mieux que quiconque, quand on se rappelle des Amazones de Béhanzin, nous savons plus que quiconque la puissance de la femme. Mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas avoir d'essentialisme non plus de manière générale, qu'il soit positif ou négatif. Certains éléments féminins peuvent être comme des éléments masculins, on n'en a cité que des éléments masculins depuis tout à l'heure négatifs. Il y a aussi des éléments féminins négatifs. Et la femme de Robert Mugabe, qui était une assoiffée de pouvoir, et celle qui l'a poussé justement dans cette gabégie, d'ailleurs, il faut le dire, même s'il s'est conclu dedans en réalité, a précipité justement ce coup d'État institutionnel quelque part, parce qu'elle voulait le pouvoir alors qu'elle n'avait pas la légitimité pour l'avoir. Alors, il y a une femme, puisqu'on en parle, dont on doit parler, peut-être à qui on doit tirer un coup de chapeau, c'est bel et bien Ellen Johnson Sirleaf, qui s'est rendue compte, après l'échec de son candidat, à féliciter George Weah, qui aujourd'hui est en train de prendre de manière pacifique, il a pris la tête de ce pays. Le Libéria avec George Weah, vous voyez un avenir radieux? Bon, déjà, féliciter Sirleaf parce qu'elle reconnaît la défaite que tout le monde a vue sur cette terre, j'ai du mal. Madame Sirleaf était vraiment une candidate de la communauté internationale. Et là, encore une fois, je suis dans une dynamique qui est la suivante. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que je vais dire que ce que vous faites est bon. Il faut aussi qu'on arrête avec cette hypocrisie très occidentale où la violence contre les femmes et les meurtres contre les femmes, les tabassages de femmes sont beaucoup plus fréquents que ces prétendus romantiques le font croire. En tout cas, je parle du système oligarchique occidental, je ne l'essentialise pas, et qui disent qu'il faut valoriser la femme, il faut valoriser le genre. Il y a tout un système pervers dans cette démarche-là. Nous, il faut valoriser nos reines, nos femmes, pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des guerrières. Mais de la même façon que si une femme trahit, que ce soit elle ou quelqu'un à la CPI, celle qui gère les choses à ces pays, bah écoutez, on va le dire. Madame Bensouda, on le dira, on n'aura aucun problème à le dire aussi, qu'il y a des choses qui sont faites de manière gravissime. Et Madame Sirleaf, pour moi, à mon sens, est une candidate de la communauté internationale et je n'ai pas d'énorme sympathie pour elle politiquement. Après, ça reste une maman, si je la vois, que j'ai l'occasion, je la prendrai dans mes bras. Mais on ne me demande pas d'adhérer politiquement à sa logique, donc être heureux qu'elle ait félicité Weah. Non, Weah a fait son travail. Pour ce qui est de Weah, j'ai répondu à plusieurs reprises. Weah, moi, c'est quelqu'un qui a été mon joueur préféré pendant les années. Je l'aimais profondément. Je l'aime encore en tant que footballeur aujourd'hui. Je suis passionné du PSG et du football. Après, politiquement, ses sorties vis-à-vis de la France ces derniers temps, pour moi, sont symboliquement parlant problématiques. Parce que la question n'est pas de dire il faut qu'on coupe contact avec la France. La diplomatie, c'est on est obligé d'avoir un minimum de diplomatie avec tout le monde. Moi, je voyage dans des tas de pays dans le monde qui ne sont pas en contact régulier avec la France. Et rien ne se passe. Et il n'y a pas de problème. Ils ont d'autres partenaires et tout va bien. Et il y a le développement qui se fait. Donc, ce syndrome de Stockholm, même si le Libéria n'a pas été colonisé par les Français, c'est vrai, mais ce syndrome de Stockholm de l'Africain qui aime
une oligarchie qui a passé son temps à détruire notre population, à assassiner nos présidents, à déstabiliser nos régimes, et toujours lui demander des conseils pour le développement, alors que c'est une entreprise, la France, qui est en train de s'effondrer économiquement. Ils ne connaissent pas une crise pour rien. C'est comme si on demande à quelqu'un qui vient de faire banqueroute dans son entreprise, on lui demande « est-ce que tu peux me donner des conseils pour réussir dans mon entreprise ?» Ben, tout le monde vous prendra pour un débile mental. Et c'est un petit peu ce qui se passe, je pense, beaucoup, quand un digne fils, un grand frère que j'aime profondément comme Georges Weah, va demander conseil au Macron français. Vous êtes décidément, hein, vous avez une nationalité française. On vous béninoise voit. Aussi. Vous n'en parlez pas. Voilà. Là, vous êtes au pays depuis quelques jours. Non, non, je suis au pays depuis quelques mois, je fais des allers-retours. Il y a une réalité qu'il faut être capable de dire et ne pas avoir peur de nier les choses. Moi, je ne veux pas jouer une comédie. Je suis né en France. Je suis un afro-descendant. Pourquoi vais-je faire croire que je suis né au Bénin si je suis né en France? Étant né en France, j'ai une double expérience. J'ai l'expérience du noir opprimé, du noir ostracisé, sans victimisation aucune, du noir qui a connu la violence raciale et la violence de la discrimination, et qui à un moment a décidé de se révolter contre sa condition et par empathie globale, de contribuer à défendre ses semblables partout où il s'est trouvé dans le monde. Et il se trouve que, parce que je suis un amoureux des mots, je suis un amoureux de ma patrie. La patrie, c'est quoi, étymologiquement? C'est la terre des pères. C'est pas la terre des fils. La définition, c'est la terre des pères. Eh bien, mon rôle, bien que afro-descendant, né en France, donc ayant le passeport français qui me sert à passer les ports, j'ai aucun autre papier, j'ai pas de carte d'identité française, j'ai pas d'assurance maladie française, je n'ai rien en France. Mais le passeport, c'est l'art de la guerre, ça me sert à aller voir mon peuple que j'aime tellement, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, sans qu'on puisse m'interdire d'y aller. C'est un exemple très simple. Et de la même façon, j'ai fait cette démarche de récupérer, d'obtenir, depuis 2012 déjà, on ne le dit pas assez, hein, donc j'ai eu mon passeport béninois, parce que en tant que patriote, patrie, terre des pères, et bien sur la terre de mes pères, j'ai un devoir à y faire pour relever et contribuer à faire avancer mon peuple et par extension mon continent africain, notre continent africain pour lequel nous sommes prêts à mourir. Donc il ne faut pas nier les choses. Je suis né en France, franco, donc, et béninois, parce que patriote, membre de cette patrie, membre de la terre de mes pères, que j'aime intensément. Et je suis très à l'aise avec cette réalité-là. Ceux qui le sont moins, bien souvent, sont ceux qui rêvent en fait d'avoir les papiers français. J'ai compris qu'il y en a qui sont fascinés par ce truc-là. Moi, ça me sert juste à aller voir mon peuple. Sinon, je n'ai strictement rien à faire de ce papier. Et il arrivera un jour, si j'ai le jour où j'ai le passeport diplomatique ici, pour mon pays, peut-être que ça viendra plus rapidement qu'on ne le pense, ou le moment venu, on ne sait pas, eh bien, je brûlerai le papier français sans aucun problème. Alors, lorsqu'on porte l'Afrique sur le cœur, parce que là, il est situé, n'est-ce pas, sur le côté gauche de votre cœur, et c'est là où il y a toute la vie. Lorsqu'on porte l'Afrique sur le cœur et qu'on apprend, par exemple, qu'au Burundi, Paul Nkurunziza est élevé au rang de guide suprême éternel au pouvoir. Et nous sommes, n'est-ce pas, au 21e siècle, en 2018. Qu'est-ce que ça fait? Moi, ma réalité, déjà, c'est de rappeler un paramètre important. Je ne crois pas à l'acception du pouvoir et à la manière de voir le pouvoir uniquement perçue par l'Occident comme étant, en tout cas, si c'est l'Occident qui le dit, ça devient valable. Donc, c'est la démocratie, c'est-à-dire un roulement pour un roulement, l'Occident vous dit, c'est ça le système. Il n'y a jamais eu de démocratie en Occident. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui varient, mais ce n'est pas les candidats qui sont les dirigeants. Ce sont les faiseurs de rois qui sont les oligarques capitalistes. Ce sont eux qui financent, qui décident. C'est-à-dire que les Rothschild, que notre compatriote Lionel Zinsou connaît très bien pour en être membre, les Rothschild, ce sont un certain nombre d'entités, d'accord, qui décident de la manière dont l'Occident doit tourner. Ce sont eux les présidents de cette région du monde, et j'ai envie de dire même de manière générale du monde globalisé. En Afrique, on a une perception du monde via la notion du chef. Alors la notion du chef peut s'accoler à la dynamique du roulement du pouvoir. Jerry Rawlings en a été un extraordinaire élément, il y en a eu d'autres, d'accord, et il faut être capable de le rappeler. Mais
là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas se tromper en disant que le problème pour moi, par exemple en ce qui concerne Nkurunziza, c'est qu'il soit nommé au rang de chef suprême. D'ailleurs, je crois que c'est chef suprême du parti, plus précisément, du parti au pouvoir. Bon. Le plus important pour moi, c'est qu'est-ce que fait Nkurunziza pour le peuple? Est-ce que la lutte pour l'égalité, la lutte contre l'impérialisme occidental est effective? Certains vous diront que oui, sauf que le rapport que Nkurunziza, qui était un ancien homme très engagé lorsqu'il était jeune, le rapport que Nkurunziza a avec l'Occident est aussi lié à la manière dont l'Occident veut le voir partir. Donc il y a un conflit d'intérêts entre le fait que le président veuille rester et donc devient anti-impérialiste occidental d'un coup et d'autres éléments. Et de l'autre côté, est-ce que Nkurunziza mène ce travail pour la lutte, pour l'égalité dans son pays? Est-ce que la justice sociale est une démarche qui est insérée dans le paradigme de la population? Eh bien, objectivement, je ne pense pas. Et c'est moi ça qui me pose problème. Ce n'est pas qu'ils disent qu'il est chef suprême de je ne sais trop quoi. Sankara serait vivant aujourd'hui, se lève et me dit que je suis le chef, et nous dit qu'il est le chef suprême du Burkina Faso. Je vous assure que le même titre ne m'aurait. Alors, il est peut-être un peu burlesque, le chef suprême éternel ou je ne sais trop quoi. Ça, j'ai du mal avec ça. Mais chef suprême du parti. Si Sankara dit qu'il est le guide de la révolution jusqu'à sa mort, ça ne posera aucun problème parce qu'il fait ses preuves. Nkurunziza n'a fait aucune preuve pour l'instant. C'est mon problème par rapport à cela. Alors, parlant toujours de ces États instables, l'un des États les plus riches d'Afrique, c'est le Congo. Congo dans la Rizouz, l'ancien Zaïre, vous connaissez quelque chose où, lors de la balkanisation, on a véritablement déchiqueté. Oui, déchiqueté, donc la richesse du Congo, j'y arrive. Mm-hmm. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu ce territoire, mm-hmm. on a vu Moïse Katumbi et puis l'autre héritier, Félix Tshisekedi, qui sont en train de s'annoncer pour les prochaines joutes électorales. Moïse Katumbi a été obligé d'aller en Afrique du Sud puisqu'il a un mandat d'arrêt dans son pays. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la jeunesse est en train de prendre conscience des réalités de chez soi et qu'il faut aller peut-être... Le pouvoir s'arrache, dites-vous, vous les panafricains. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que la jeunesse est prête? Moi, je pense que la jeunesse est plus que prête. La jeunesse en a marre. La jeunesse est asphyxiée. J'étais moi-même interdit d'entrer au Congo en 2012. Mm-hmm. J'étais parti pour y faire une mission humanitaire et médiatique dans la région du Kivu, là où nos sœurs se font assassiner, violer et se font contaminer par le virus du sida, par des militaires malades, dégénérés. Mais... J'ai constaté donc, lorsqu'on m'a expulsé, la violence de ce régime, je l'ai vécu dans ma chair. Le problème n'est pas que la jeunesse ne soit pas prête, la jeunesse est prête depuis très longtemps. Le problème c'est que, est-ce que ceux qui sont à la tête des pouvoirs, des partis politiques en tant que tels, sont des gens qui sont légitimes pour parler au nom de cette jeunesse? Je ne suis pas sûr. Est-ce que l'argent, et c'est aussi une réalité qui est globalisée en Afrique à l'heure actuelle, est-ce que l'argent doit faire de vous le candidat? Moïse Katumbi est un milliardaire, extrêmement riche. Très bien. Homme d'affaires, mais je le dis, et c'est valable pour tout le monde, homme d'affaires ne signifie pas forcément bon président. Et j'ai envie de dire qu'être affairiste, c'est pas de la politique. Et qu'un pays, c'est pas un business. Il peut arriver qu'il y ait des hommes d'affaires qui soient de brillants présidents. C'est pas toujours le cas. Moïse Katumbi, il a prouvé quoi en tant que politicien? Je m'interroge. Est-ce qu'il est en harmonie? Est-ce qu'il peut être cette voix du peuple? Je m'interroge légitimement. C'est un regard... de panafricaniste. Je sais que parfois il y a un tribalisme dans certaines régions qui font que certains disent « Ah non, tu n'as pas à parler si tu n'es pas de cette région, si tu n'es pas de ce pays. » Je parle de ce que je veux en tant que panafricaniste parce que je risque ma vie pour ce continent. Est-ce que Tshisekedi Félix, qui est déjà venu manger chez moi, qui est un ami, est-ce que Félix Tshisekedi est légitime pour parler au nom de cette jeunesse parce qu'il est le fils d'Étienne Tshisekedi? Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour faire preuve de légitimité. Je n'ai pas mon mot à dire dessus, mais je connais beaucoup de jeunes patriotes, hommes et femmes congolais qui sont prêts à risquer leur vie pour ce pays, qui n'ont pas les deniers qu'il faut, mais qui sont tout autant, ou si ce n'est plus légitimes que ces gens-là précités pour être candidats aux élections. Alors il y a aussi, comment il s'appelle, le milliardaire mari de Isabel dos Santos, Sindica d'Okolo. C'est la floraison, c'est le printemps des milliardaires. Est-ce que c'est ça qui va régler le problème du Congo? Le Congo a un problème de pillage endogène.
avec une élite autocratique reliée à un système oligarchique sous-régional sur lequel que je ne vais pas citer, parce que le problème n'est pas le problème ethnique, mais le problème vraiment politique et idéologique, de un. Donc ce problème-là, il faut le régler. La caste Kabila dépasse le cadre même de sa propre réalité. Et de l'autre côté, on a le problème avec les forces exogènes, parce que tout le monde vient se servir au Congo. Ils jouent en même temps les humanistes, les démocrates, il ne faut pas faire ceci, oh, c'est un drame, mais tout le monde se sert là-bas. C'est la banque du monde, et ça bénéficie à tout le monde, sauf au peuple africain, congolais et africain plus globalement, en priorité. Et j'ai mal, je souffre pour Lumumba. Il y a une grande diaspora congolaise aujourd'hui, de par le monde, au Bénin, on a une forte communauté. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que les Congolais retrouvent l'espace Congo qui leur appartient? Je pense qu'il faut densifier la société civile et il faut l'autodéterminer. Il y a aujourd'hui une société civile qui, partiellement, à défaut d'avoir des soutiens réels, finit par se ranger du côté de forces exogènes qui cooptent, qui financent, etc. Ce n'est pas la solution. Mais il faut une décolonisation intégrale et une souveraineté intégrale de cette société civile et trouver des financements endogènes qui pourront permettre à cette dernière, parce qu'il y a des milliardaires au Congo, mais normalement ces milliardaires devraient simplement être, plutôt que de dire je vais être le chef, ils devraient porter cette jeunesse pour que cette jeunesse prenne ses responsabilités. Parce que c'est ce peuple-là, c'est cette jeunesse-là qui souffre, qui a connu la douleur dans sa chair, qui peut, plus que quiconque, donner sa voix au Congo. Et je pense que c'est ce sur quoi, moi, à chaque fois que je rencontre beaucoup de frères et de sœurs congolais, je leur dis, rentrez au pays, dès que vous en avez la possibilité, et rejoignez les mouvements déjà en place, et faites en sorte que les mouvements de la société civile en place puissent être indépendants financièrement, indépendants d'esprit, indépendants idéologiquement, de telle sorte que si vous chassez un, vous ne serez pas la courroie de transmission des forces exogènes qui vous ont coopté. C'est très important. Rien ne changera si cette société civile ne prend pas ses responsabilités. Le Congo est un pays immensément riche et immensément peuplé. Le jour où les Congolais décident de se rebeller tel un seul homme contre le pouvoir, ce n'est pas l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, qui pourra faire quoi que ce soit, cette bande de criminels politiques, qui pourra faire quoi que ce soit contre le peuple. Il faut que tout le monde puisse marcher tel un seul homme et non pas en rang dispersé derrière des présidents de partis mégalomanes, milliardaires qui n'ont aucune idéologie, si ce n'est de vouloir se dire un jour je serai président du Congo. C'est plus compliqué que ça. C'est vraiment compliqué. Nous sommes en train d'aborder le dernier virage de cette entrevue. De l'autre côté de l'Afrique du Sud, hein, on a vu Jacob Zuma qui a été chassé du pouvoir, tel qu'il a aussi chassé son prédécesseur, qui aujourd'hui est en train d'être poursuivi par la justice. Vous parlez de Jacob Zuma? Bien sûr. Jacob Zuma, moi j'ai toujours dit, j'ai dit depuis très longtemps, c'est le symbole de ce que la bourgeoisie africaine peut faire de plus sale dans un pays. Lutter contre la bourgeoisie blanche, bourre, en Afrique du Sud, ne sert à rien si c'est pour faire la même chose en noir. On peint les barreaux blancs d'une prison en noir et on dit on est chez nous parce qu'on est dans des barreaux noirs. Ce n'est pas une solution. Jacob Zuma, le pillage, le népotisme, la corruption, le détournement de fonds, systémique, la gabégie, cela ne peut aboutir à rien. Jacob Zuma doit répondre de ses crimes. Il a trahi l'idéal de gens qui sont morts pour libérer ce pays. Il ne peut pas avoir des gens comme Steve Biko qui sont morts pour ce pays et on se retrouve des années plus tard avec Jacob Zuma. C'est un manque de... C'est une trahison historique par rapport au combat qui a été mené dans les townships. Il y a des gens comme Winnie Mandela, il y a des gens comme Julius Malema. Ce sont des personnes, même si je peux avoir sur certains points des distances critiques avec chacun, hein, ce n'est pas la question, qu'on soit très clair, mais ce sont des gens qui, sur qui l'Afrique du Sud de demain devra compter. Julius Malema en particulier. Voilà, l'Afrique devra compter avec Julius Malema, jeune de l'ANC qui aujourd'hui est en train de se départir, n'est-ce pas, de cette oligarchie qui... J'espère juste qu'il quittera la zone la plus riche, parce que c'est toujours très compliqué quand on lutte pour la justice sociale d'être dans le quartier le plus riche du pays. Il faut faire attention à ça. Il faut être proche du peuple. Et tu ne peux pas être avec une Rolex, avec les plus grands, les vêtements les plus riches et les plus coûteux, avec les plus belles voitures, et dire que tu luttes pour la justice sociale. Donc c'est mon seul regard par rapport à ça. Mais juste, Malema, en dehors de cette réalité, est un frère que je respecte, que j'apprécie.
on a beaucoup de points communs idéologiquement, peut-être même qu'il y aura dans les temps à venir la rencontre qu'il faut. Il tient un discours cohérent, on l'a vu, n'est-ce pas? Il connaît un peu le peuple sud-africain. Ah, ben, il connaît bien, c'est un enfant de ce peuple-là, il connaît. Il a grandi en Afrique du Sud, aujourd'hui il fait ses armes en politique, il fait peur également Tout à fait. À la vieille génération. Aujourd'hui nous avons un système de l'ANC qui est le faiseur de rois, mais toutes les fois qu'on a porté quelqu'un au pouvoir, il a trahi la base. Qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour qu'à ce niveau-là, le combat de Nelson Mandela et de tous les autres que vous avez cités tout à l'heure ne soit pas voué à l'échec. Est-ce qu'il a toujours trahi la base? Je suis beaucoup plus nuancé sur Thabo Mbeki, par exemple. Je ne suis pas sûr que Thabo Mbeki puisse être qualifié de traître en tant que tel. C'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il doit avoir une réforme structurelle, c'est réel. Non pas parce qu'il faut qu'il y ait 10 000 partis. Moi, je n'ai pas de problème qu'il y ait un seul parti au pouvoir si le parti fait son travail. Mais l'ANC, c'est sur plusieurs générations, il y a en effet ou du moins plusieurs hommes, plusieurs courants, il y a eu un certain nombre de déceptions qui ont été effectuées et qui ouvrent la voie peut-être à une restructuration du pouvoir politique en tant que tel, qui sont beaucoup plus représentatifs par rapport au peuple. Parce que si vous ne laissez pas le choix au peuple, alors que le peuple est mécontent du parti au pouvoir, ça finit par poser problème. Donc il y a une réforme structurelle de fond à faire à l'intérieur de ce pays, je le pense profondément, et j'espère que l'Economic Freedom Fighter Party, donc des marxistes sud-africains, de Malema et autres, pourront mener ce travail à bon escient. Voilà, on va descendre un peu plus proche de nous parce que là, on est en train de tirer à la fin. Mm-hmm. Le Nigeria avec Buhari qui promet, n'est-ce pas, aller en négociation avec Boko Haram pour pouvoir retirer les 100 filles qui ont été enlevées tout dernièrement. Est-ce que c'est la solution? Moi, j'ai toujours du mal. En fait, je n'ai pas été formé politiquement pour négocier avec mon oppresseur. C'est-à-dire que je suis toujours dans une démarche de rupture épistémologique réelle. Il faudra un jour qu'on puisse nous expliquer. Si on n'a pas le courage de le dire, il faudra que certains puissent l'énoncer. Je l'ai déjà dit, mais on peut le redire ici. Comment se fait-il qu'une bande de malfrats, drogués pour la plupart, peuvent autant tenir une partie du pays, faire la pluie et le beau temps, un jour je kidnappe les uns les autres, je disparais, on ne vous retrouve pas. C'est parce qu'il y a des complicités à l'intérieur du pays, il y a des complicités très proches de Buhari. Tout ça arrange qui? Ça arrange ceux qui veulent des bases militaires dans le pays aussi. Ça arrange ceux qui sont des puissants hommes d'affaires qui veulent propager une vision particulière de l'islam aussi. Ça arrange ceux qui pensent que leur région a été ostracisée pendant très longtemps et qu'il faut qu'il y ait une vengeance. Il y a une contingence d'un certain nombre d'éléments et convergence qu'il faut être capable d'expliquer rationnellement avec sincérité. Donc, est-ce qu'il a eu raison de négocier? Moi, je pense que le problème n'est pas de négocier ou de ne pas négocier. Le problème, c'est est-ce que véritablement il y a une armée réelle à qui on donne tous les moyens pour lutter? Est-ce que dans cette armée, tous les éléments ne sont pas des éléments qui... Infiltrés voilà. Est-ce qu'à l'intérieur de ces éléments, il n'y a pas des éléments infiltrés qui contribuent à... Il y a un nettoyage à faire dans le fond. Le jour où Buhari aura une armée nigériane et un gouvernement qui sera 100% dans la lutte contre, sans aucun intérêt relié avec à la fois les Américains et à la fois avec des multimilliardaires nigérians, je peux vous assurer que beaucoup de choses vont changer. Voilà, on va terminer par le Bénin, parce que tout le monde s'y attendait, mm-hmm. qu'on ne peut pas faire venir Kémi Séba dans un studio sans parler Bénin. On a donc le rapatriement des œuvres d'art du Bénin qui se retrouve de l'autre côté de la France. C'est vrai que j'ai suivi les franco-sceptiques qui ont dit que ça, c'est des intentions. On mettra vraiment du temps à y arriver parce que la législation française ne permet pas de restituer les œuvres d'art aussi facilement et que lorsqu'on réussira à le faire avec le Bénin, d'autres pays, les mieux qualifiés, vont s'y engouffrer et ça, la France ne pourra pas s'en sortir. Vous pensez qu'un jour, ces objets d'art pourront revenir au Bénin? Ces objets d'art reviendront au Bénin quand les Africains prendront leurs responsabilités eux-mêmes et n'attendront pas que les autres leur fassent des promesses d'intention qu'ils ont fait depuis la nuit des temps. Depuis qu'on est rentré en contact avec eux, on a cueilli des promesses d'intention. On a toujours eu, excusez-moi, le postérieur tuméfié à force du percute qu'on a reçu dans ce dernier. Et je passe les détails de la manière dont les hypercutes ont été reçus pour ne pas être vulgaire lors de ce plateau. Il arrive un moment, c'est pas franco-sceptique, je pense que ce sont, géopolitiquement parlant, des gens réalistes qui remettent en doute systématiquement et structurellement la parole de quelqu'un qui vous a violé 100 fois et qui la 101e fois dit qu'il veut vous aider. Bah,
si vous voulez y croire, vous y croyez. J'ai même vu la fumisterie intégrale de celui qui est d'ailleurs présenté aujourd'hui comme l'intellectuel de référence africain par Le Point et par les médias français, parce que c'est bien connu. Un penseur africain ne peut être penseur africain que si l'Occident le valide, sinon ça devient un terroriste ou un extrémiste. Donc Felwine Sarr, dont le rêve de sa vie, qui a écrit un bon livre, hein, sans doute en buvant un beurre de Bissap et en écrivant un magnifique livre, il n'y a rien à dire, un livre cool, sans stress, très loin des urgences sur bon nombre de points du continent, de la souffrance viscérale de notre peuple. Felwine Sarr, qui fascine la bobocratie et l'extrême gauche française, et qui est aujourd'hui nommé comme étant l'un de ceux qui, par Emmanuel Macron, pour faire ce travail de restitution. Il faut que ce soit le chef des pilleurs qui nous dise « Allez, je te nomme pour que tu puisses récupérer. » Et puis nous, on va dans cette comédia de l'Arte. Mais comme la France a toujours pu compter sur des gens avides de reconnaissance par cette même France, des gens comme Sarr, comme Felwine Sarr et d'autres, eh bien on arrive à une situation où cette comédie continue à durer. Ça continue à durer. Et on nous dit, oui, ça va revenir un jour. Ça ne reviendra que quand les Africains prendront leurs responsabilités. Ces objets d'art ne reviendront que quand les Africains décideront de s'organiser. Ces objets d'art ne reviendront que lorsque les Africains, je n'ai même pas peur de dire les choses telles qu'elles sont, dans les musées en Occident, s'organiseront pour aller les récupérer eux-mêmes. C'est pas quand Macron va dire je récupère, je vous donne ces objets d'art, allez Felwine, ou allez Mamadou, ou allez ainsi, allez, tu t'en occupes, et puis il n'y a jamais de résultat au bout, ou même les résultats qu'il y a sont des résultats qui font partie d'un agenda de la France pour justifier son prétendu nouveau visage dans les relations France-Afrique, sachant qu'en vous donnant ça de l'autre côté, il y a toutes les autres choses qu'ils essayent de récupérer. Personne n'est bête, la rue n'est pas bête, ce sont seulement ceux qui ont pour deuxième bureau l'Institut français, d'accord, sous le bureau d'ailleurs du directeur ou de la directrice de l'Institut français, ce sont seulement ces prétendus penseurs ou idéologues-là qui pensent qu'il y a un avancement des choses, mais la population africaine et le prolétariat africain ne se trompent pas. Voilà, cet entretien est presque terminé, cette émission spéciale tire à sa fin. Alors, je vais vous laisser dire votre mot de fin. C'est mon mot qui sera toujours celui-ci à chaque fois que je viendrai sur ce plateau. Ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple fera lui-même. Voilà, l'Afrique décollera, mais sa jeunesse devra prendre conscience, rentrer dans le combat, aller donc dans des grandes luttes pour pouvoir relever les grands défis de ce continent qui est quand même, je le dis et je le répète, le continent de l'avenir, le continent de l'espoir. Et c'est sur ce mot d'espoir que nous disons merci à Kaby Seba d'avoir accepté notre invitation. Bon, merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous sur Golf FM pour une autre fois, mais l'information, quant à lui, est en continu sur nos chaînes.